Donc voilà, on est avec Didier Guéza au circuit de Nogaro. C'est l'ouverture de la saison du HTCC Nogaro 2022. Donc le HTCC, c'est quoi? C'est l'Historic Tourist Champion Car, une catégorie qui a été créée fin 2003 et mis en service en 2004, si j'ai bien suivi. Exactement. Et l'idée, c'est de faire une compétition des années 60 avec l'ambiance et l'époque des années 60, les véhicules en moderne aujourd'hui, à amener cette époque sur les circuits d'aujourd'hui. Voilà, l'objectif était très clair lorsque on a créé le HTCC, donc en 2003. C'était de permettre au plus grand nombre de passionnés de pouvoir courir. Ce qui est de plus en plus difficile, les budgets, on les voit, ils s'envolent de tous les côtés. Et le sport auto est réservé un peu à une élite. Et moi, je voulais ouvrir ce sport auto un peu au maximum de personnes, quel que soit leur niveau financier et leur milieu. La variété des voitures, c'est comme tu disais, des voitures qui sont aujourd'hui accessibles à moindre frais, et toi tu offrais la possibilité d'être encadré à des tarifs raisonnables de l'ordre de 450 euros. C'est ça même. Le budget annuel pour une saison lorsqu'on a créé le HTCC, c'était 8000 euros. D'accord. Le budget global total qui englobait dedans aussi bien l'entretien de la voiture, qui entretient les déplacements, l'hébergement, les hôtels, l'ensemble d'une saison ne devait pas dépasser 8000 euros. D'accord. Donc, ça permet à beaucoup de gens, ça rend le sport beaucoup plus accessible. C'est à peu près 10 fois moins cher que ce qu'il y a aujourd'hui dans les classiques d'une saison. Oui, aujourd'hui, voilà, sans parler du véhicule en soi, mais voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une voiture préparée autour des 10 000 euros, on va dire que ce serait la moins chère des moins chères, oui. Avec ton engagement, pour moins de 20 000 euros, il fait une année de course. Quoi. Il fait une année de course complète, oui. Et le choix des voitures, justement, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'historique? Puisqu'effectivement, c'est l'historique qui a été choisi. Ce n'est pas en fonction de se dire on est passionné de vieilles autos, non pas du tout. C'était un choix stratégique pour permettre justement d'avoir cet accès de la course automobile au plus grand nombre, au plus nombreux. C'était justement d'avoir déjà un acquis de voiture qui ne soit pas démesuré. Aujourd'hui, quand on court en moderne, on peut considérer que tous les deux ans, la voiture elle est bonne achetée. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles qui sortent, etc. En rentrant dans l'historique, on a des voitures dont la cote ne bouge plus beaucoup. Donc le type qui achète sa voiture aujourd'hui, mettons 10 000 ou 12 000 euros, il est sûr de la revendre au moins le même prix. Donc c'est un placement à long terme, ce n'est plus un investissement perdu avec une décote terrible parce que les voitures se démodent. Et au niveau des catégories, toi, qu'est-ce que tu proposes aux gens comme catégorie acceptée dans le HTCC? Alors, donc là il y a eu une grande mutation. Ça fait 18 ans que le HTCC existe, hein. Donc il a fallu évoluer, puisque si on n'évolue pas, on régresse. Hein. Donc à l'origine, ce n'était que des voitures de tourisme de série, pour la bonne raison, pour viser la fiabilité. Et il y en avait beaucoup sur le marché. Donc on a pris les voitures de série, ce qu'on appelait dans le temps les groupes 1. D'accord. Et puis avec l'évolution, des groupes 1, il y en a de moins en moins. Et même en moderne, des touristes de série, des groupes 1, on n'en voit plus, quasiment plus. Et donc, les pilotes qui font partie de la famille du HTCC ont envie d'évoluer, c'est humain. Et puis les voitures ont évolué, les ancêtres se sont modernisés. Voilà, etc. Et donc ils ont eu envie d'évoluer aussi, mais tout en restant dans le HTCC. Donc soit la formule évoluait et permettait l'entrée de nouvelles voitures plus puissantes, des versions améliorées, ce qu'on appelle des versions améliorées, soit on disparaissait petit à petit. Donc, on a opté pour aujourd'hui avoir deux catégories. On a gardé les tourismes de série, qui sont divisés en deux catégories. Les séries, vraiment ce qu'on appelle la pro-série, des voitures strictement de série. Aucune amélioration. D'accord. Juste, on a le droit de mettre des bonnes suspensions, voilà. Des bons amortisseurs. Le minimum syndical, comme tu disais très justement. Et les voitures ex-groupe 1 ou ex-groupe A, qui avaient déjà des homologations, des extensions d'homologation, mais en restant en tourisme de série. Et puis, la nouvelle catégorie qui existe depuis 4 ans maintenant, c'est les touristes améliorés. Notamment l'interview suivante de Florian Sanchez. Voilà, donc Florian nous a rejoint avec sa très belle BMW 635. Et l'objectif, c'était qu'il y avait beaucoup de voitures qui ne pouvaient plus courir nulle part. Il y avait beaucoup de voitures où les gens roulaient dans les track days. C'est ça. Mais ce n'était pas la course, c'est complètement différent. C'est du track day.
Et ces voitures-là, elles correspondent réglementairement à rien. C'est ça. À rien. Parce qu'elles ont fait de l'anciennement de la compétition, après du track day. Voilà, et les gens ont modifié les voitures, ont changé les freins, ont changé des trucs qui ne correspondent pas à une réglementation, et on ne veut plus d'eux nulle part. Et toi, donc, tu proposes de les accepter dans ta catégorie. Voilà, donc on a créé une catégorie qui s'appelle Open, ouverte, qui porte bien son nom, qui permet donc aux gens qui ont aujourd'hui des voitures historiques jusqu'à fin 92 et qui veulent se faire plaisir, qui veulent réellement courir, et ben d'avoir accès à la compétition à travers le HTCC dans la catégorie. Donc toi, tu proposes combien de circuits et combien de courses par an, et quels sont les plus beaux circuits toi de ton expérience? Donc en nombre de circuits, on a 8 courses, d'accord, 8 épreuves, et chaque épreuve comprend 2 courses. Il y a aussi un essai aussi. Plus une course de côte. D'accord. D'accord. Donc il y a la course de côte du Mont d'Or, qui est une course de côte mythique. D'accord. Où les gens, beaucoup de nos pilotes ont découvert la côte par cette formule. Et la côte, c'est encore autre chose. Hein. C'est, ouais, c'est l'effort maximum, très vite, faut c'est, être tout de suite top. Très intense. Je pense. Très intense, une grande intensité. Donc on a créé cette division parce qu'à l'époque, on prend tous les grands pilotes de l'époque, les gens faisaient aussi bien de la côte, du rallye, que du circuit. Les Terriers, les Larousse, etc., ils étaient un dimanche sur une course de côte, un autre week-end sur un circuit, et un autre week-end en rallye. Et en plus, tout ça, toi, tu proposes sous différentes catégories et toujours à moindre frais sur la course de côte. Ça ne change rien. C'est les mêmes catégories qu'il y a sur le circuit. Ils marquent le même type de points et c'est exactement la même chose. Et donc par week-end de course, comme par exemple là à Nogaro, donc ils ont eu 2 courses, des qualifications le samedi, donc le dimanche jour de course, traditionnellement. Oui. Samedi, qualification. Et ils ont aussi, j'ai vu, un essai privé. C'est ça. Donc dans l'engagement qui coûte 450 €, pour les épreuves de Coupe de France, puisqu'on est donc épreuve support de la Coupe de France depuis 2018. Donc il y a 2 séances d'essai incluses dans l'engagement. Une le samedi matin qui est un essai libre, non chronométré, qui ne compte pas pour la grille. L'après-midi, il y a donc une séance d'essai qualificatif qui va déterminer la place sur la grille de départ. Et le dimanche, il y a 2 épreuves, une course le matin et une course l'après-midi. À noter qu'on peut venir à 2 courir sur la même voiture. Il peut y avoir un partage de volant. C'est assez rare maintenant. Voilà, ça permet de diviser les budgets aussi par 2. Hein, c'est encore plus accessible. Donc les gens vont faire un pilote le matin, l'autre pilote l'après-midi, une séance d'essai, d'autres ils vont partager la séance d'essai, ils se partagent le volant et ça diminue les coûts quand même par 2. Quoi. C'est quelque chose qu'on a remarqué, moi qui ai connu le monde de la course toujours d'un point de vue public, etc. Le HTCC, il y a quelque chose qui est très agréable, c'est le côté convivial, notamment avec les repas qui sont faits du coup par l'organisation du HTCC, l'organisation de manière générale, parce que quand même on arrive un peu les pieds sous la table quand vous organisez au niveau des paddocks, vous groupez, il y a quand même vraiment un esprit circuit d'une autre époque qu'aujourd'hui on ne voit nulle part, parce que moi pour avoir fait quand même pas mal de... Ouais. C'est vrai, j'ai jamais vu où il y a autant de monde sous la même tente en fait, parce que c'est ça la réalité. Des fois, il y a 30-40 personnes qui sont au combat autour du volant, et dès qu'ils sortent, ils sont tous ensemble autour d'un repas. C'était un objectif, je vous l'ai dit au début, il y avait deux objectifs. Un, de rendre la course abordable, de la vraie compétition, avec des gens qui vont vite, parce que ça va vite, en HTCC, et également être sociable, être humain, d'avoir beaucoup d'humanité dans les relations. Et on a donc créé cette cantine qui permet en même temps que tout le monde se retrouve sous la table, mange ensemble, on passe 4 jours tous ensemble. C'est ça. Et ça permet d'avoir une relation. Et je pense que les gens le disent bien, on ne vient pas faire une course, on vient en week-end de course au HTCC. Ça. Voilà. Exactement ça. On vient en week-end de course. Ça fait tomber la pression lorsque ce sont des courses en peloton. Donc il peut y avoir des accrochages, ça se frotte un peu, etc. Ça reste la compétition. Mais de par la relation, l'ambiance qu'on a su créer dans la discipline, eh ben, tout retombe tout de suite. Les gens se retrouvent sous la table, ils prennent l'apéro ensemble et c'est fini. Il n'y a pas de bagarre. À l'heure actuelle où on parle, combien il reste de places disponibles si des gens voudraient se joindre au championnat cette année? Ou est-ce qu'il faut attendre l'année prochaine? Voilà, où ça en est. Alors,
Sur l'année, on a environ 70 personnes de classées. 70 pilotes sont classés. Mais par course, ça représente entre 25 et 35 participants, suivant les circuits, suivant le lieu, suivant l'époque. Entre 25 et 35. On n'est pas obligé de faire obligatoirement toutes les courses. On n'est pas obligé de faire toutes les courses. D'accord. Pour être classé au championnat, il faut s'inscrire en début de saison. Il y a une inscription à l'année, qui coûte 450 euros aussi pour toute l'année, qui ouvre donc l'inscription au championnat, qui ouvre l'accueil, enfin tout, les tenues également qu'on a, enfin l'ensemble du packaging, voilà. Et puis, il y a des gens qui viennent uniquement faire une course, ou deux courses, ou trois courses. Bien souvent, l'année suivante, on les retrouve dans les engagés, puisqu'ils ont voulu découvrir avant. Donc, ils sont tous bienvenus. Ils peuvent venir une fois, faire une course. Et c'est la meilleure façon de découvrir le HTCC. Et là, au niveau des circuits, là, qu'est-ce que tu proposes comme circuit? Alors, en circuit, cette année, donc, on commence ici à Nogaro. Après, on va aller à Pau-Arnos. Après, on va faire un circuit mythique, puisqu'on va aller à Pau-Ville. Ah oui. Le Grand Prix de Pau, le classique Pau Classique. Et à Pau Classique, on a une formule assez novatrice qu'on va mettre en place uniquement pour cette épreuve. C'est organiser le trophée des vieilles canailles du sport auto. C'est-à-dire qu'on va faire venir et participer au HTCC des pilotes qui ont été des stars à leur époque, qui ont animé les courses de tourisme pendant ces années-là. D'accord. Donc on va avoir des gens comme Andruet, comme Chatriot, on va avoir des gens comme William David, comme Rick Carroll, tous les pilotes qui ont, à cette époque-là, animé les courses de tourisme. D'accord. Donc ils partageront leur volant avec des pilotes du HTCC. Ça, c'est sympa, ça va créer une atmosphère. Voilà, ça va être sympa de faire revenir tous ces gens-là. Et ça s'appelle donc le trophée des vieilles canailles. Et après, donc, en circuit, on circule un peu plus dans le nord, parce qu'il n'y a pas que le sud. Voilà, donc là, on aura trois épreuves dans le sud-ouest. Ça se passe comme ça, c'est pas nous malheureusement qui décidons du lieu, ça se dépasse au niveau de la fédération. Il y a plus de 20 types de courses qui existent, donc les circuits, ils sont obligés de partager leur... Bien sûr. Et ensuite, après ça, on va aller à Lédenon, donc là on sera encore dans le sud, mais dans le sud plus est. Voilà. Hein. Et après Lédenon, on va aller à la course de Côte du Mont d'Or. Et après la course de Côte du Mont d'Or, direction le nord, le Nord. Et là, on va aller donc à Croix-en-Ternois, circuit fort sympathique du Nord, un petit circuit familial, style circuit club à l'anglaise. Hein, donc, de Croix-en-Ternois, on va descendre au Vigan. Donc le Vigan, donc à côté de Poitiers. De là, on va aller au Mans. Donc là, on est toute partie Nord. Donc le Bugatti. Et après le Bugatti, on finira à Dijon. Donc pour la fin de saison, où il y aura la finale de la saison, ça sera à Dijon. Ça va faire 9 épreuves en tout et pour tout. Donc une belle saison à venir. Une belle saison à venir, de belles fêtes également. C'est ça qui est important. Hein, donc c'était surtout une longue vie au HTCC qui perdure dans le temps. Voilà. Donc transmettre. Alors, cette année, moi j'ai déjà retransmis une partie de l'organisation. Tout ce qui est sportif et administratif, c'est l'organisateur, c'est le coordinateur de la Coupe de France, Marc Bachot, et qui est en même temps organisateur de la Twin Cup. Qui est bien connu dans le coin. Voilà, donc qui va reprendre la suite au niveau de l'organisation. Ça fait 18 ans que je fais ça. J'avais envie de recourir, de redevenir un pilote. Voilà. Donc j'ai passé une partie, mais par contre, on garde avec mon équipe de bénévoles, etc., on garde toute l'animation, l'accueil des gens, les repas, la cantine et tout ça, ça va rester... On ne se souffle pas. Bon, ouais, parfait, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, donc... On va passer à Florian Sanchez pour la suite. Voilà, Flo qui a démarré avec nous, donc maintenant, ça fait 2 ans. Hein, ça fait 2 ans. On a permis à Flo de démarrer là-dedans, je lui ai prêté ma voiture, du circuit de la Vienne, en disant, voilà... tu montes dedans, tu roules, et puis il a bien roulé, il a fait une très belle course, sage et en même temps rapide, et donc depuis, on lui laisse la parole, puisque c'est maintenant il pourra faire vivre de l'intérieur, depuis il a pris le pli, et il est un des animateurs maintenant du HTCC. Merci à vous.